Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Devant un stade Wembley rempli à craquer, Tyson Fury a fait le show. Ce samedi, il a terrassé par KO son adversaire du soir, Dillian Whyte. Mais quelques secondes après la sanction finale, c'est pourtant bel et bien avec Francis Ngannou qu'il s'est retrouvé en plein milieu du ring. Dans une séquence assez dingue, on vous explique tout. Depuis des semaines, il affirme avec une certaine assurance que ce combat restera comme son dernier dans l'univers de la boxe professionnelle. Pour l'occasion, Tyson Fury n'a donc pas fait dans la dentelle. Sur sa terre natale, le champion était opposé à son compatriote anglais Dillian Whyte. C'était devant plus de 90 000 spectateurs. Le champion WBC des poids lourds a conservé ses ceintures grâce à un gros uppercut, synonyme d'arrêt de l'arbitre. L'histoire aurait pu s'arrêter là pour Tyson Fury, après cet ultime succès. Un succès qui fait passer son bilan chez les pros à 32 victoires, 0 défaite et un match nul. Cependant, en pleine interview d'après-combat sur le ring, le Gypsy King a choqué tout le monde. Il a clairement laissé entendre que malgré l'annonce de sa retraite, ses fans devraient rapidement le revoir dans l'arène. En plus de ça, une surprise est apparue. En effet, au micro de ESPN, il a invité un certain Francis Ngannou, lui aussi présent dans le stade. Ils ont directement évoqué le croustillant sujet que tout le monde attendait, à savoir leur fameux combat de boxe. La scène est aussi géniale que surréaliste. Voilà de quoi rendre quasiment officiel leur duel, qui fait l'objet de rumeurs depuis de longues semaines. Les deux poids lourds ont d'ailleurs offert quelques détails sur ce choc à venir. Ce qui promet du lourd, littéralement. Fury a continué en disant « Ça va être un combat très spécial. Quelque chose de jamais vu dans l'histoire de notre sport. On ne parle pas de deux gars légers ici. Je fais 125 kilos, il fait 125 kilos. Donc ça va être un combat explosif, quand ça arrivera. » Ngannou est allé dans son sens en disant « Ça va être un combat hybride, avec des règles différentes. Ce sera avec des gants de MMA, dans un ring. Vous voyez, un bon mélange bien différent. » S'il en a visiblement terminé avec la boxe professionnelle, Tyson Fury compte bien affronter Francis Ngannou à l'avenir. Les deux champions semblent bien chauds, tout comme les fans encore plus hypés désormais.